Takis, bonsoir. Bonsoir. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Alors Canal Pourpre est ici à la Guinguette de Pombonne à Bergerac. On est très content parce que le Takis Joby Trio est présent et vous n'êtes que deux. Voilà, c'est l'efficacité. Bien, alors moi ce qui m'a interpellé c'est musique grecque. C'est quand même assez vaste et général. Et puis souvent quand on pense à la musique grecque, on pense au Sirtaki, à Zorba le Grec. Alors je suis allé sur votre site, j'ai regardé et dans un album... Vous reprenez le fameux tadam. Est-ce que la musique grecque, après on prendra votre parcours, mais Takis, est-ce que la musique grecque pour le public français s'arrête uniquement à cette chanson de Zorba le Grec? Oui. T'as une autre question? Oui, évidemment que ça. Les gens ne connaissent plus la musique grecque. Bon, il y a une époque où sur Paris, il y avait beaucoup plus de restaurants, de boîtes où on jouait le bouzouki, où les gens, voilà, le rebetiko. Ça a changé. Donc, effectivement, ce qui est resté, eh bien, c'est Millicemou, Zorba le Grec, les Enfants du Pirée. Voilà. Ce qui danse maintenant dans les dans l'été dansant. Hein. Dans le parcours que j'ai pu lire sur votre biographie officielle, c'est très éclectique, enfin c'est assez éclectique. J'ai cru comprendre que vous étiez des potes, ça remonte, mais plutôt dans la mouvance punk ou punk rock. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours avant d'arriver à cet électroacoustique de musique grecque? Bien sûr, on se connaît avec Patrick depuis l'adolescence. On a fait pas mal de bêtises ensemble. Et notamment, on a notre premier groupe donc, qui s'appelait Louis Le Chic. On faisait du punk rock. On est dans les années 80, début 80. Bon, avant, on traînait un petit peu dans le milieu. Donc, on était plutôt dans les backstage, hein, à brasser du matos et à faire la fête, quoi. On ouvrait les bouteilles de bière, enfin voilà. Et après Louis Le Chic qui a duré 3 ans, moi j'ai intégré un autre groupe qui s'appelait Identité X. Et donc là on a eu une belle aventure sur plusieurs années. Que vous êtes guitariste? Alors je suis bassiste à la base. Voilà. Et guitariste pour faire de la musique grecque. Et vous, dans Louis Le Chic à la base? Et pour Louis Le Chic, vous étiez chanteur-guitariste? Chanteur, oui. On était en trio, vraiment en trio avec un batteur. Et c'était sympa. Alors, j'ai vu aussi que vous étiez diplômé à Valenciennes, je crois, en musique amplifiée. Oui, du centre des musiques actuelles. Oui. Voilà. Donc, vous êtes passé du punk rock à cette formation. Pour quelle raison vous avez voulu passer par cette formation de musique actuelle? Ben, c'est-à-dire que j'ai quitté le rock'n'roll parce qu'il faut faire la musique qui va avec sa vie, ouais. Et pas l'inverse. Ah, ok. Bon, Philippe, ouais, je vais essayer de rester un peu. Ouais. Ouais, voilà. Et j'ai arrêté la musique plusieurs années parce que voilà, j'étais parti loin de la musique et j'étais plus dans le rock, dans la vie rock'n'roll. Okay. Voilà. Donc j'ai eu une coupure de plusieurs années. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis lorsque je suis revenu à la musique, j'ai eu l'opportunité de passer une audition au centre des musiques actuelles et j'ai été retenu et j'ai passé un an merveilleux vraiment à côtoyer des grands musiciens, à faire 10 heures de musique par jour et quand je suis revenu à la musique professionnellement, c'était pour la musique traditionnelle et pour la musique acoustique. Voilà. Et vous Patrick, pendant ce temps? Ben moi j'ai fait du son, tout ce qui était régie, émission de télé, sonorisation en tout genre. Wow, vraiment de la... Vous étiez un peu perdu de vue, ouais. Oui. Et donc c'est la musique, on va dire traditionnelle, parce que musique du monde, ce terme est trop générique. Et donc la musique grecque, c'est sans doute lié à... C'est pas venu par hasard, quoi.
Non, c'est ma première chérie qui était anglaise, qui avait du vécu et qui travaillait à Athènes, finalement, m'a emmené en Grèce, notamment dans d'autres pays aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. De la musique grecque, vous n'aviez tous les deux aucune connaissance particulière À part ce qu'on avait écouté sur place, quoi. Alors qu'est-ce qui vous a pris de former ce trio de musique grecque? C'est-à-dire que comme on travaillait en Grèce et en Crète, moi j'étais tout de suite très touché par cette musique. Ça m'a énormément parlé parce que c'est une musique qui a du sens, c'est une musique qui véhicule beaucoup de choses du vécu, du passé, de l'histoire des Grecs. Et j'étais vraiment bouleversé par cette musique et le bouzouki. Et par contre, j'avais quand même des projets de guitare, de rock'n'roll. Donc quand je suis revenu en France, je suis reparti en Angleterre et j'ai plutôt assouvi mon besoin de guitare électrique et de rock'n'roll en me disant bon tu verras plus tard et puis un jour c'est arrivé j'ai croisé des Grecs qui étaient en tournée en France, je me suis retrouvé avec un bouzouki, ils m'ont baptisé, ils m'ont dit tu seras joueur de bouzouki, et le lendemain je suis devenu joueur de bouzouki, j'ai tout arrêté et ça fait 20 ans que je sévis au bouzouki. Et là, Patrick vous rejoint un peu plus tard ou comment ça se passe? Alors Patrick me rejoint, on s'est retrouvés grâce aux vacances, puisque j'habitais à Royan, j'avais un voilier, donc je lui ai dit, écoute, viens faire du bateau. Et puis du bateau, c'est la petite soirée, c'est l'apéro, on ressort les guitares et puis on se dit, waouh, c'est bien. C'est-à-dire qu'au départ, il y a peut-être très longtemps, il y avait le luth crétois, le laouto. Donc j'ai vu beaucoup de groupes qui étaient accompagnés, de joueurs de bouzouki qui étaient accompagnés par le luth crétois. Mais bon, c'est un instrument qui n'est pas aussi riche que la guitare. Et puis la guitare, dès son apparition, a tout de suite trouvé sa place. Alors dans les orchestres des années 20, 30, 40, il y avait toujours beaucoup de musiciens, beaucoup d'instruments, piano, violon, percussion, accordéon, batterie, guitare, beaucoup de bouzouki, toujours plusieurs bouzouki, ce qui permettait de faire vraiment des mélodies très très riches. Et nous, tout le travail que nous avons fait, c'est d'abord un travail de collecte important pour pouvoir mettre un répertoire intéressant accessible au public français, puisque c'est notre public. D'accord. Voilà. Donc, et vous chantez en grec, j'ai entendu pendant les balances. Voilà, on chante en grec. Mais par contre, si on faisait vraiment du trat, de vraiment ce qu'ils écoutent, ça serait pas très bien perçu. Vous pensez que ça peut pas se faire partager ou plus difficilement? Si, mais on a pris ce qui est accessible. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que, alors je ne sais pas, parce que moi je ne vous connais pas, je ne vous ai pas encore écouté, mais du coup, est-ce que le rebetiko, c'est quelque chose qui inspire aussi ce qu'on va entendre ce soir ou pas du tout, ou on est...
Oui, on va faire très peu de rebetiko, mais un petit peu, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est faire découvrir les musiques de la Grèce. C'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver, il y a du rebetiko, il y a les aïbekiko, qui sont la même chose au niveau musical, mais qui est plus dense. Et puis, il y a toutes les danses des îles, des musiques de films aussi. Bon. Alors, je ne vais pas vous embêter parce que le concert va commencer et puis les gens sont impatients. Mais dernière question, est-ce qu'on peut dire que... Est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit méditerranéen? Est-ce qu'on peut rapprocher cette musique avec, je ne sais pas moi, le fado, quelque chose comme ça? Ou c'est absolument très, très différent? Est-ce qu'il n'y a pas cette mélancolie? Enfin, est-ce qu'on ne retrouve pas des choses? Ou alors de l'autre côté de la Méditerranée d'ailleurs, hein, est-ce qu'on peut dire que c'est une musique méditerranéenne ou est-ce que pour vous c'est vraiment le son grec? C'est une musique méditerranéenne puisque voilà, on est dans le bassin. En même temps, c'est une musique qui a évidemment subi des influences. Donc vous verrez ce soir, il y a des musiques qui nous font penser à l'Asie mineure, des musiques qui nous font penser à l'Europe plutôt de l'Est. Ouais. Balkans, voilà, c'est toute cette richesse. De toute manière, la musique, ça fait le tour de la planète. Hein. Faut pas se leurrer. Il n'y a pas une musique pure qui sort d'un endroit. Non, on est toujours influencé. Ça bouge. Ça, les notes de musique s'envolent. Le vent les emmène et elles font des petits comme les graines des fleurs, pareil. Ouais. Très bien, alors juste pour terminer sur cette allusion poétique, c'était marqué trio, mais c'est pas une blague, parce que j'ai vu qu'il y avait une danseuse bon, qui n'est pas là ce soir, donc c'est pour ça que ça s'appelle trio. Donc j'ai oublié son nom malheureusement, je ne sais plus. C'était Muriel. Voilà. Donc qui habituellement accompagne votre musique. Elle nous a accompagné très longtemps, là elle ne nous accompagne plus. Donc actuellement, quand ça se présente, nous travaillons avec un danseur grec de Paris. Voilà, qui initie et qui montre et qui entraîne. Et voilà. Ouais, je vous laisse tranquille, on va vous écouter, on va filmer un peu et puis merci beaucoup. Bien, merci, c'est un plaisir. Merci à toi, Philippe. Je sais. Non mais. Tu vois, je vais dire un truc. Vas-y. Non, tu es très sympathique, mais tu m'es encore plus sympathique parce que tu ressembles énormément à un de mes cousins. Ah voilà. Voilà. Un transfert. Mais tu sais que je suis ton cousin. Allô. Moi, c'est un surnom qui est venu parce que j'ai travaillé avec un acteur. Faut pas commencer à me raconter. J'ai cru qu'il allait me gifler. No.